demander à papa et à maman. Allons piquer ensemble une tête dans la piscine. Pourriez-vous nous apprendre à nager, ce serait cool. Apprenons à flotter ensemble, allongés sur le dos. Comme un bateau flottant, flottant, ouais, vous êtes génial. Oui. Nager, nager, il est temps de retenir notre souffle. En dessous l'eau, puis au-dessus de l'eau. Regarde, je peux faire des bulles. Moi aussi, c'est vraiment rigolo. Battement, battement de jambes de haut en bas. Dressez vos jambes, pointez vos orteils, bon travail. Oh, wow. Bougez, bougez, bougez vos bras autour de vos coudes. De l'avant vers l'arrière, les enfants, vous êtes de bons nageurs. Nagez, nagez ensemble dans la piscine. Bravo à tous, vous êtes vraiment très cool. Merci, c'est tellement amusant. Est-ce que je fais cette partie, non? Très bien, oui. Voyons jusqu'où on peut aller. Tout autour de la piscine. C'est super. Nagez, nagez ensemble dans la piscine. Bravo à tous, vous êtes vraiment très cool. Je suis contente, on a appris à nager aujourd'hui. Ouais, la natation, c'est incroyable. Tu peux avoir du sucre pour le petit-déj, maman. Brûlé avec beaucoup de fromage. D'abord, dis-moi le mot magique. Le mot magique, est-il te plaît? C'est presque prêt, maintenant lave-toi les mains. Ça sent bon, je vais en prendre aussi. D'abord, dites-moi les mots magiques. Les mots magiques, merci. De rien. Et s'il vous plaît, quand vous en voulez. Merci, quand vous l'obtenez. S'il vous plaît, quand tu le veux. Merci, quand tu l'obtiens. Et tu auras une belle journée. D'abord, dis-moi le mot magique. Le mot magique, c'est s'il te plaît. Voilà, maintenant tu peux aller dehors. Tout ce dont tu as besoin, je le ferai. Mais d'abord, dis-moi les mots magiques. Je les ai, papa, merci. De rien. Et s'il vous plaît, quand vous en voulez. Merci, quand vous l'obtenez. S'il vous plaît, quand tu le veux. Merci, quand tu l'obtiens. D'abord, dites-moi le mot magique. Le mot magique, c'est s'il te plaît. On y va. Regarde, maman, ils sont super assortis. J'adore le style et la couleur bleue. Attendez, quels sont les mots magiques? Les mots magiques sont merci. De rien. Et s'il vous plaît, quand vous en voulez. Merci, quand vous le tenez. S'il vous plaît, quand tu le veux. Ils ont fait un tour. La vache a dit mou, 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 mou. Mais seuls quatre y sont répartis. Quatre bébés vont courir un jour.
pour les collines, ils ont fait un tour. La vache a dit mou, mou, mou. Mais seuls trois y sont répartis. Trois bébés, vous courez un jour. Pour les collines, ils ont fait un tour. La vache a dit mais seuls deux y sont répartis. Deux bébés, vous courez un jour. Pour les collines, ils ont fait un tour. La vache a dit mais un seul et un suit reparti. Un bébé, vous courez un jour. Pour les collines, il a fait un tour. La vache a dit mou, mou, mou. Mais personne n'y est reparti. Maman vache est remontée un jour. Pour le colline, elle a fait un tour. Elle a dit et tous les veaux y sont repartis. Et tous les veaux y sont repartis. Avec de l'eau, de l'eau, de l'eau. Pourquoi de l'eau? Ça nettoie bien. Maintenant voici un bandage, bandage, bandage. Et maintenant un bisou. Chérie, ça t'a aidé? Oui, maman, beaucoup mieux, merci. Oh, chérie, je t'aime. Je t'aime aussi. Une poche de glace, une poche de glace. Pourquoi une poche de glace? Pour que ça n'enfle pas. Maintenant voici un bandage, bandage, bandage. Et maintenant un bisou, chérie, est-ce que ça va? Oui, papa, beaucoup mieux, merci. Je t'aime. Voici un bandage, bandage, bandage. Et maintenant un bisou. Dis-moi comment vas-tu? Beaucoup mieux, maman, merci. Je t'aime aussi. Secoue-le doucement, doucement. Comment est-il maintenant? Il a disparu. Je suis heureux d'entendre ça, chérie, chérie. Maintenant voici un baiser pour toi, ma chérie. Merci, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi. Vérifions vos bobos, bobos, bobos. Wow, plus de bobos, comment allez-vous? On se sent beaucoup mieux, beaucoup mieux. Merci maman et papa pour nous.
enfants, c'est le moment de faire quelques corvées. Terminez-les et le reste de la journée sera libre. S'il te plaît, fais ton lit. Ok, dans une minute. Et nettoie ta chambre. Oui, juste une seconde. S'il te plaît, suis la vaisselle. Dans une minute. Tes devoirs aussi. Oui, une seconde. S'il te plaît, fais ton lit. Attends dans une minute. Et nettoie ta chambre. Attends une seconde. S'il te plaît, suis la vaisselle. Attends une minute. Tes devoirs aussi. Attends une seconde. Sont venus jouer, mais vous ne pouvez pas sortir tout de suite parce que tu n'as pas rangé ta chambre quand je t'ai dit et tu n'as pas fait ton lit. Oh non! Tu n'as pas fait tes devoirs. On s'en occupe. Ni nettoyé la vaisselle. On y va! Chambre. On l'a fait briller. Fais la vaisselle. Maintenant tout est rangé. Tes devoirs aussi. Oui, je me sens bien. Maintenant que le travail est fait, vous pouvez aller vous amuser. Je le ferai dans une minute. Je le ferai dans une minute. Nous n'arriverons jamais à le faire correctement. Peu importe à quel point nous essayons, ça ne marche jamais. Écoute, nous avons tous ces jours où les choses vont mal. La chose la plus importante est de toujours faire de son mieux et de ne pas abandonner. Tu verras, cela va prendre un certain temps. Mais souviens-toi juste de l'histoire de l'araignée. Le soleil a brillé et
Papa ours, maman ours, bébé ours s'assirent pour manger leur bouillie. C'est trop chaud! Cogne papa ours, allons-nous promener dans la forêt. C'est alors que Boucle d'or a trouvé leur maison dans la forêt. Toc, 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 pas de réponse. Alors Boucle d'or entre dans la cuisine. Elle a attrapé la cuillère bien qu'elle n'avait pas la permission. La bouillie de papa ours bien trop chaud. La bouillie de maman ours bien trop froid. La bouillie de bébé ours juste qu'il faut. Juste qu'il faut, juste qu'il faut. Après que Boucle d'or eut sa dose, elle se sentait paresseuse. Dans le salon, elle aperçut des chaises de trois tailles différentes. Elles avaient l'air très attrayantes, alors Boucle d'or s'est dit qu'elle allait essayer. La chaise de papa ours, bien trop dure. La chaise de maman ours, bien trop molle. La chaise de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Au moment où Boucle d'or s'installait, cette chaise s'est brisée en morceaux. Boucle d'or monta à l'étage, elle vit trois jolies dans lesquelles elle pouvait dormir.
Ils avaient l'air très accueillants, alors elle s'est glissée dans le lit de papa. Le lit de papa ours, bien trop dur. Le lit de maman ours, bien trop mou. Le lit de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Boucle d'or s'est endormie, trois ours sont revenus à la maison. Dès qu'ils entrèrent tous, si sûrs qu'ils étaient pas seuls. Quelqu'un a mangé ma bouillie, grogne papa. Quelqu'un a mangé ma bouillie, dis maman. Quelqu'un a mangé ma bouillie, pleure bébé. Ils ont tout mangé, ils ont tout mangé. Ils sont entrés dans le salon et que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, grogne papa. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, dis maman. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, pleure bébé. Elle est cassée, elle est cassée. À l'étage dans leur chambre, que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un a dormi dans mon lit, grogne papa. Quelqu'un a dormi dans mon lit, dis maman. Quelqu'un a dormi dans mon lit, pleure bébé. Et voilà, elle est là, et voilà, elle est là. Boucle d'or se réveilla et vit trois ours qui la regardaient. Elle a crié, sauté hors du lit, elle s'est enfuie avec fracas. Bas des escaliers à travers la porte, Boucle d'or est partie pour toujours. Nos trois ours se grattent la tête, préparent la chaise et font leur lit et s'assirent pour manger leur bouillie. Et voilà l'histoire des trois ours. Yeah! Je ne veux pas ranger ma chambre. Je ne veux pas me lever si tôt. Je veux pas me brosser les dents ou prendre une douche ou aller dormir. Je veux juste regarder la télé, manger plein de glace au chocolat. Je veux jouer à mes jeux vidéo et jouer avec vous à cache-cache. Je veux pas débarrasser mon assiette. Je ne veux pas faire mes devoirs. Je ne veux pas aller à l'école ou aller en classe ou lire un livre. Je veux juste m'asseoir et puis rêver de voyager pour Mars ou Vénus. Je veux faire semblant de voler comme les oiseaux au-dessus des nuages. Je ne veux pas, je ne veux pas, non, certainement pas. Je n'y vais pas, je n'y vais pas, non, pas aujourd'hui. Quoi? Oh non! Je ne veux pas prêter mes jouets. Je ne veux pas avoir de petite sœur. Je veux pas me laver le visage ou manger des légumes ou brosser mes cheveux. Je veux juste taper avec mes amis, entendre mes musiques favorites ou aller au parc de loisirs, aller jouer dans les montagnes russes. Je ne veux pas, je ne veux pas, non, certainement pas. Je n'y vais pas, je n'y vais pas, non, pas aujourd'hui. Alors, retirez ça de votre tête. Pardon, maman, pardon, papa. On va faire ce que vous nous demandez. Venez ici, les enfants, on va vous coucher. Demain, c'est un nouveau jour d'école.
papa, est-ce qu'on peut avoir une part de gâteau? J'aime tellement ce glaçage au chocolat. Je te promets qu'on prendra juste un morceau. Désolé, la réponse est non. Ah? Non. Oh? Non, non. S'il te plaît. Non, non. Pourquoi? Tu manges trop de sucre, non. J'ai dit non. J'ai dit non. Parce que tu es très jeune, tu peux pas décider seul. Quand tu seras plus grand, tu verras pourquoi tu as besoin de nous. Pouvons-nous regarder la télévision encore? C'est notre émission préférée. Encore un épisode, nous irons nous coucher. Désolé, la réponse est non. Pourquoi on est pauvre? Un géant est venu et a défoncé notre porte. Il a volé tout ce que nous avions, Il a volé tout ce que nous avions. Jacques, nous devons vendre notre vache. Au marché, tu ferais mieux d'y aller maintenant. Alors Jacques a pris la vache et a marché sur la route, où il a rencontré un homme tirant une lourde charge. C'est une magnifique vache. Il a dit c'est une magnifique vache. Il a dit. J'achète ta vache pour des haricots magiques, les plus beaux haricots que tu n'aies jamais vus. Marché conclu. Jacques courut à la maison. Quand maman a vu les haricots, elle a grogné. Par la fenêtre, ils ont volé, par la fenêtre, ils ont volé. Dès que les haricots se sont posés sur le sol, ils ont commencé à faire un bruit étrange. De la terre, une tige de haricots a poussé jusqu'au nuage et ensuite à travers. Jacques ensuite a grimpé, Jacques ensuite a grimpé. À travers le ciel, Jacques était déjà si haut. Il est arrivé à une porte son. Un panneau disait interdit aux enfants. Jacques est passé à travers, Jacques est passé à travers. Dans un château, cette porte son menait au bout du couloir. Le jeune Jacques file. Il a trouvé une énorme pièce. Il entendit un bruit effrayant. Les pas d'un géant. Bon, bon, bon. Les pas d'un géant. Bon. Fille, faille, faux, femme. Je sens l'odeur d'un garçon pardieu. Le méchant géant a hurlé et hurlé. Et Jacques est sorti de cette pièce en volant. Il est reparti tout, il est venu, Il est reparti tout, il est venu. Le géant a couru, il a poursuivi Jacques dans tous les sens. Et quand soudain, hip hip hourra, Gigi Noah arrive pour sauver la journée. Ils ont gelé ce géant comme une pierre, Ils ont gelé ce géant comme une pierre. Jusqu'à l'haricot magique, Jacques courut si vite et il a trouvé un sac d'or. Lors de sa maman, le géant a volé. Il y a tant d'années avant. En bas de la tige, Jacques a volé, En bas de la tige, Jacques a volé. Il a attrapé une hache quand il touche à le sol. Hache, hache, cette tige est tombée. Maman, on est riche, il dit à sa maman. Et Jacques lui donna le sac d'or. Il vécut heureux jusqu'à la fin des temps. Thank you.
chercher chez Sarah Walker dès la sortie de l'école. Je promets que je serai de retour pour dîner. Maman, est-ce que c'est bon? J'aimerais dire oui, mais ta chambre est dérangée. Maman, allez! Non, la prochaine fois, nettoie avant de demander. Ok, maman, ok. Maman, est-ce qu'on peut aller au terrain de jeu? C'est une journée ensoleillée. Sur les balançoires, dans le bac à sable. Maman, est-ce que c'est bon? Tu ne peux pas y aller, pas tout seul. Oh, maman, allez! Non, je vais t'emmener au terrain de jeu et m'assurer que tu es en sécurité. Oui, merci, maman! Maman, est-ce que je peux avoir de la glace? Je peux acheter un jeu. Maman, est-ce que je peux avoir un chiot? Est-ce que je peux rester debout tard? Maman, pouvons-nous aller à la fête de Jackie à 6h ce soir? Nous avons nettoyé nos chambres et fait nos devoirs. Maman, est-ce que c'est bon? Oui! Oui, merci, maman! Connaissez-vous l'homme fine, l'homme fine, l'homme fine? Connaissez-vous l'homme fine qui vit à Drury Lane? Dites bonjour à l'homme fine, l'homme fine, l'homme fine. Dites bonjour à l'homme fine, il fait de bons muffins. Connaissez-vous le pizzaiolo, le pizzaiolo, le pizzaiolo? Connaissez-vous le pizzaiolo qui vit à Drury Lane? Dites bonjour au pizzaiolo, au pizzaiolo, au pizzaiolo. Dites bonjour au pizzaiolo, il nous donne des parts gratuites. Connaissez-vous le marchand de glace, le marchand de glace, le marchand de glace? Connaissez-vous le marchand de glace qui vit à Drury Lane? Dites bonjour au marchand de glace, au marchand de glace, au marchand de glace. Dites bonjour au marchand de glace, il a tellement de parfums. Connaissez-vous le boulanger, le boulanger, le boulanger? Connaissez-vous le boulanger qui vit à Drury Lane? Dites bonjour au boulanger, au boulanger, au boulanger. Dites bonjour au boulanger, ses gâteaux sont les meilleurs. Merci aux amis de Drury Lane, de Drury Lane, de Drury Lane. Merci aux amis de Drury Lane, on s'est tellement amusés. Bye.
Les bébés dans le bus sautent. Les bébés dans le bus sautent dans toute la ville. Les roues du bus Les amis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air si triste. Avez-vous déjà demandé à maman et à papa quelque chose que vous voulez vraiment? Il semble que tout ce qu'ils disent, c'est non. Je pense qu'on peut vous aider. Quand nous demandons ce que nous voulons, papa et maman disent non. Nous allons vous montrer pour avoir un oui. Voilà ce qu'il faut faire. Wow! Faites semblant d'être eux et marchez dans leurs chaussures. Imaginez ce qu'ils pensent et ressentent et ce qu'ils veulent pour vous. Une fois que vous avez ça en tête, faites ensuite votre demande. Demandez du raisin au lieu du gâteau. Je parie qu'ils répondront oui. Maman, je peux avoir des carottes. Oui. Papa, je peux avoir du fromage. Oui. Maman, pourrais-je avoir une pomme? Oui. Et des myrtilles, s'il vous plaît. Oui. 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 Faites vos devoirs, nettoyez votre chambre. Je parie que vous devinez. Quand vous demanderez d'aller jouer, bien sûr, ils répondront oui. Oh, je comprends. Faites semblant d'être eux et marchez dans leurs chaussures. Imaginez ce qu'ils pensent et ressentent. Ils sont heureux comme nous aussi. Exactement. Si tu veux voir un bon film, un samedi pluvieux, faites vos corvées, demandez à papa ce qu'il pense qu'il vous dira. Oui. Maman, on peut aller chez Samy. Oui. Papa, tu veux danser? Oui. Maman, tu peux m'emmener patiner? Oui. Papa, on peut voyager en France? Quoi? On plaisante. Oui, c'est comme ça qu'on a un oui. C'est pas très difficile. Vous avez compris ce que veulent les parents. Vous êtes tous les deux intelligents. Merci, Gigi. Merci, Noah. C'est incroyable. Pas de problème. Amusez-vous bien. Savoureuse, vous en voulez plus? Aimez-vous les légumes? Ce n'est pas un tabou. Les légumes, je l'aime beaucoup. Et vous les aimerez aussi. Les légumes, je l'aime beaucoup. Et ça y est, les oui. Des quelques sont vos légumes préférés, Harry? C'est que j'aime les plus doucés. Ils sont tout verts, ce n'est pas un excès. C'est que j'aime les plus doucés. Dites-nous ce qu'ils sont. Brocoli et petits pois. Et veux-tu d'autre? Tout est courtois. Concombre des céleri. Et haricots verts. Oh bon, oui. Qu'en dis-tu, Baggy? C'est que j'aime les plus doucés.
Ils sont tout rouges, n'est pas nécessaire. C'est qui j'aime le plus, tu sais. Dites-nous, c'est qui ils sont. Chicorée de choux, je veux. Et les piments, ils sont ok. Je voudrais des petits radis. Donne-moi une âme. Bien sûr, c'est ici. De quelle couleur sont tes goûts préférés, Zizi? C'est que j'aime le plus, tu sais. Ils sont toujours, ce n'est pas un excès. C'est que j'aime le plus, tu sais. Dites-nous ce qu'ils sont. Gros poivrons et pommes de terre, sans oublier le jeu de maïs. Mais celui que j'aime le plus, c'est la citrouille. Tu en veux aussi? Légumes sont savoureux, bon pour les plus. Aimez-vous les légumes, ce n'est pas un tabou. Les légumes, on l'aime beaucoup, et vous les aimerez aussi. Les légumes, on les aime beaucoup. C'est l'histoire des trois petits cochons, des trois petits cochons, des trois petits cochons. C'est l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois des trois petits cochons avaient trois petites maisons, tous en rang, tous en rang. Les trois petits cochons avaient trois petites maisons. Il était une fois. Ma maison est en paille, ma maison en bâton, et ma maison est faite de briques. Petit cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Ah oui. Maintenant, je vais souffler, 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 souffler. Maintenant, je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Oh oui. Maintenant, je vais souffler, 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 souffler. Maintenant, je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Oh non! Cours! Cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Ah oui? Oui. Maintenant, je vais souffler, 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 souffler. Maintenant, je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Bonne chance avec ça. Tu peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Dis le policier. Tu ne peux pas faire ça. Non, 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 non. C'était l'histoire des trois petits cochons, des trois petits cochons, des trois petits cochons. C'était l'histoire.
l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Rêve, 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 deux enfants dans la baignoire. Attraper les poissons qu'il épie. Ah!
Tyrannosaurus Rex, il est là. Et nous devons mettre fin au spectacle. Ah! Ah! Wow! Ah! 98, 99, 100. Je suis là, je vous vois. Chère maman, où es-tu? Je suis là, près de ta chaussure. Quel parfum vous voulez? Savez-vous quel parfum vous voulez? C'est tellement difficile de choisir. Je pense que je vais prendre à la vanille. Deux boules? Oui, merci. Je pense que je vais prendre à la vanille. Cinq ou six bons ici tout. Est-ce que je peux te servir, jeune homme? Ah oui, tu peux! Des éclats de chocolat? Bien sûr! Des chewing-gums? D'accord! Et des noix? Oui! Et des pépites de chocolat? Oh, oh! Et sur le top de la sauce à la guimauve? Et voilà! Ne le laissez pas glisser! Je pense que tu en as assez eu.
Très vite. La prochaine fois, fais attention, mais il n'y a pas besoin de stresser. Je vous aime, ce sera toujours vrai. Chaque jour qui passe, je t'aime plus et plus. Chérie, ne t'inquiète pas, on va tout nettoyer très vite. Les pots de fleurs peuvent être remplacés, mais pas toi, ma princesse. Je vous aime, ce sera toujours vrai. Chaque jour qui passe, je t'aime plus et plus. Très sale. Ah oh, on t'a attrapé. Dans la cour, nous t'avons vu faire des petits pâtés debout. Tu pourrais bien avouer. Je vous aime, ce sera toujours vrai. Chaque jour qui passe, je t'aime plus et plus. C'est l'heure de rentrer. Attendez une minute, vous deux. Vous n'oubliez pas quelque chose? La première chose que nous devons faire en rentrant dans la maison, c'est laver ses mains. Laver, 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 laver. Tu es ces microbes, tu es ces microbes. Lave-les dans l'évier, lave-les dans l'évier. Maintenant c'est ton tour, maintenant c'est ton tour. Oggy, Oggy, il est temps de se laver les mains. Lavez, 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 lavez. Frottez, frottez, frottez. Frottez, frottez, frottez. Rincez, rincez, rincez. Rincez, rincez, rincez. Maintenant sèche-toi. Maintenant sèche-toi. Tu as raison, Kiki. Lave chaque doigt et les deux pouces, et les deux pouces. Frotte tes mains ensemble, frotte tes mains ensemble. Maintenant c'est fini, maintenant c'est fini. Bien joué, maintenant il est temps de faire le souper. Jen, tu n'oublierais pas quelque chose? Lavez, 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 lavez. Tu es ces microbes, tu es ces microbes. Lave-les dans l'évier, lave-les dans l'évier. Maintenant c'est ton tour, maintenant c'est ton tour. Ah,
lavez-vous les mains. Jette pas ce papier. Pourquoi pas? Ça pourrait devenir un livre un jour. Vraiment? Une boîte à œufs, une boîte de céréales, wow, un magazine ou un comptoir. Et ne jette pas cette bouteille. Pourquoi pas? Ça pourrait être un t-shirt un jour. Pas question. Un sac à dos, une veste, un drapeau. Waouh! Ou un sac de couchage. Recyclage. Mettez-le dans le recyclage. Le verre, ne les jetons pas à la poubelle. Recyclage, c'est ça le recyclage, oui. En recyclant, grâce à vous, une vieille chose devient comme neuf. Hey, ne jette pas cette boîte de conserve. Oh non! Ça va devenir une balançoire au jour. Un vélo ou même une voiture. Wow! Réfrigérateur, des pièces d'avion. Ne jette pas ce carton. Pourquoi pas? Ça pourrait faire un puzzle un jour. Pas question. Une carte à jouer ou peut-être un stylo. Alors mets-le dans la poubelle. Wow! Recyclage. Mettez-le dans le recyclage. Le papier, le métal, le plastique, le verre. Ne les jetons pas à la poubelle. Recyclage, c'est ça le recyclage, oui. En recyclant, grâce à vous, une vieille chose devient comme neuve. Parce que tous vrais fans du recyclage ne feront pas de la terre leur poubelle. C'est vrai. Oh oui. C'est trop cool. Recyclage, mettez-le dans le recyclage. Le papier, le métal, le plastique, le verre. Ne les jetons pas à la poubelle. Recyclage, c'est ça le recyclage, oui. En recyclant, grâce à vous, une vieille chose devient comme neuve. Une vieille chose devient comme neuve.